Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon avec l'épisode 24, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, quoi qu'il arrive. Ce sera corrigé, évidemment, dans le titre. Matez la beauté de ce jeu toujours aussi fantastique. Voilà, c'est le cas de le dire. Ce jeu est juste exceptionnel. Alors, nous pouvions continuer l'aventure principale. Il fallait aller chercher Poséidon, Éther et je n'ai plus le dernier en tête. Poséidon, Éther et Déméter. Voilà. Donc, trois intelligences artificielles pour reformer intégralement Gaïa, histoire qu'elle puisse, bref, reprendre le dessus sur sa mission à elle. Mais nous avons une quête annexe plutôt sympa qui régale, j'ai envie de vous dire. Aller à Cantilène. Et Cantilène, c'est où les potes? Eh bien, regardez, c'est loin derrière. Alors, on va y aller. On va y aller, on va se TP ici, on va faire un petit chemin en prenant ce feu de camp, et on va disposer, il suffit de se TP gratuitement, évidemment, et puis en plus, ça va nous permettre de déverrouiller à chaque fois d'autres feux de camp, donc c'est exceptionnel. C'est parti, let's go pour la suite de notre incroyable aventure. Dès qu'on aura fini cette quête secondaire, on réattaque la quête, évidemment, principale. Alors, regardez bien ce qu'on va se faire. On va se mettre un petit point de passage ici. Ça me paraît pas mal. Voilà. On va appeler, évidemment, notre monture qui est juste ici. Elle est où, la bichette? Elle est là parce qu'elle est très rapide. Elle est extrêmement belle. Et on est parti. Direction à 300 mètres, les amis, pour aller au moins débloquer le feu de camp. Après, on va aller direction la quête secondaire. Allez, hop, c'est bon. Elle a réussi à sauter, la bichette. Ça fait extrêmement plaisir. Oh, quel jeu exceptionnel. Les amis, on est à l'épisode 24. Je suis toujours sous le cul de la qualité que propose ce soft. Matez la fluidité, la beauté. Le level design, écoutez, tout est exceptionnel. Je suis désolé, les amis. Ce jeu est exceptionnel. Et je suis toujours aussi heureux de foncer, faire les records. On a activé un nouveau feu de camp. Ça, c'est plutôt rassurant. Ah, on va prendre ça. Oh là là. Regardez, ça fait des petits effets de lumière un petit peu partout. Exceptionnel. On a un établi. On peut aller là, hein, de toute façon. C'est pas un problème. C'est la suite. Allez, on y va aussi. Et après, les petits feux de camp qui restera à gauche, à droite. Eh bien, écoutez, on n'hésitera pas à les faire non plus. C'est à 200 pas. C'est vrai que sur la carte, on croirait que c'est limite plus loin, mais non. Ok. Allez, on a un petit établi en plus. Qui sait, avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir... Hop, arrête-toi la bichette. On a quoi? Un renard. Très bien. Très bien. Exceptionnel ce qui est en train de se passer. Mort. Mort. Ok. Très bien ça. On prend. Et très bien, on prend. On continue. Alors, un petit établi, un feu de camp à côté d'un établi, c'était bon ça. On va pouvoir aussi dormir, c'est extrêmement bon tout cela. Hop, ça c'est fait, c'est activé. Ceci est notre réserve, pas très intéressant. Est-ce qu'on peut se faire quelque chose? Je ne pense pas. Amélioration d'armes, voilà. Amélioration de tenue, c'est pareil. Et quoique, si on peut, on peut l'améliorer. J'ai été... J'ai pas été très fair... Mais ça vaut pas le coup, j'estime que ça vaut pas le coup, voilà, c'est moi qui décide. Et là, il manque toujours des os de lapin, os de pécari, bref, c'est littéralement un enfer à trouver ce merdier. Il est temps de dormir, s'asseoir pour faire passer le sang. Let's go! Et direction notre quête secondaire. Je rappelle que il est toujours mieux de faire ça de jour jusqu'au matin. Allez, c'est parti, en avant Guingamp, comme disaient mes grands-parents. Ok. Hop, c'est très rapide. Merci, au revoir. Alors, on va pas te brûler, bichette.
Eh ben écoute, notre mission est juste là. Ici, on a un petit feu de camp. Alors pourquoi pas aller au feu de camp par la même occasion, sachant qu'on aura des petits trucs à gravir. Si et là, c'est plus un problème au niveau de jeu où on en est, où l'on est. Sachant que, je le rappelle, on est au début du jeu encore. Et ça, c'est assez exceptionnel. Hein. C'est ce qui fait que ce jeu est littéralement incroyable. Voilà. Je ne cesserai de vous le rappeler. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je prends... C'est un sanglier, c'est pas un pécari, ça. Très bien. Oh, ça me plaît. Ça me plaît. Merci, hausse de pécari. On va pouvoir, je pense, grâce à cela, améliorer notre sac. Qui est extrêmement important. Ok, pourquoi il y a des méchants là? Expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est? Qui est méchant dans cette histoire? T'es méchant toi? T'es méchant toi? T'es méchant toi? Ok. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Oh bien joué, t'as réussi à esquiver sans faire exprès. Putain, faut faire tomber leur masque. Ok, c'est beau. Quoi? Putain, la précision du truc. Oh bah bon. Fin de précision. Yo les gars, j'arrive. C'est quoi l'embrouille s'il vous plaît? Qu'on m'explique. Ouais, c'est quoi l'embrouille j'ai dit? Personne veut m'expliquer. Wouh. Ok. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer l'embrouille s'il vous plaît? Hop. Voilà, monsieur vous mourrez. Hop, moi je me faufile là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Putain, j'ai l'impression d'être dans une guerre qui ne me regarde pas. Hop, niveau 17 atteint, je prends. Hop. Qu'est-ce qu'il a eu au bras, dis donc? C'est exceptionnel. Je connais pas cette matière. Hop, allez, ça dégage. Une brique, il avait. Incroyable. Ok. Bon, ça commence à devenir très embêtant, tout ce qui se passe là. Ratcha! Encore? T'en veux encore, Michel? Ratcha! Wow, c'est exceptionnel. Sache que ce que t'as proposé là... Wouh! Hop, mort. Ok. Allez. Protéger quand il est. Eh ben, il va se taire lui là, derrière là. Protéger quand il est, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est ma quête, je suis con. Non. Ok. Allez, on est deux dessus, hein. On est des lâches, on en a rien à péter. De toute façon, c'est la guerre. C'est des lâches aussi, tout le monde est lâche. Allez, ça dégage. Gardez ces sourires pour vos familles. Les Ténacs ne comprennent que la force. Et la nôtre fait bien pâle figure. Ils vont revenir. Toi, celle qui nous a fait gagner ce combat. Viens par là. Frérot, déjà tu peux dire merci. Je veux que tout le monde fortifie le col. Ok, ouais, je suis là. Ah, tes guerriers ont l'air... Aussi bleu qu'un ciel d'été, ce sont des enfants qui jouent avec des bâtons. Ce sera déjà bien de les garder en vie. Et le pire est encore à venir. Jusque-là, les rebelles n'ont envoyé que des éclaireurs. Mais ils ne tarderont pas à revenir pour un assaut en poignée du fort. Et s'ils emportent des machines avec eux, il nous faudra bien plus que de l'enthousiasme pour vaincre. On dirait que tu en sais beaucoup sur les tactiques des Ténacs. Quand les clans Ténacs ont repoussé les pillards Karja, j'ai rejoint le combat. Les Ténacs t'ont appris à combattre? Plus que ça, ils m'ont appris à travailler le métal. Je suis sans doute le seul Outaru à savoir faire ça.
Je n'aurais jamais cru que j'utiliserais un jour ce que j'ai appris contre eux. Oh merci monsieur, tu m'emmènes à ton feu de camp gratuitement. C'est exactement là on où je voulais aller. Librement ici. Parfait. Toi t'es un frère, tu sais quoi, je vais même faire une petite save auto. Parce que là franchement tu m'as régalé. Allez go. Alors, dis-moi tout Bibiche. Dis-moi tout. Je suppose que tu vas vouloir que je t'aide à mener une guerre. Non, tu veux pas me parler. Alors, quel est le plan? Le plan, c'était de faire des armes pour mes prétendus guerriers. J'ai envoyé mon meilleur grimpeur, Vos, collecter des matériaux au sommet du Bendir. Les grandes bouches lâchent les capsules métalliques qu'il nous faut au sommet. Mais le dysfonctionnement les a rendus aussi redoutables que l'ascension. Vos n'est pas encore rentré. On a des défenses à installer, et on n'a plus beaucoup de temps. Si la sauveuse de Méridian acceptait de nous prêter main forte un peu plus longtemps, je pense que tu peux trouver ce qu'il nous faut. Tu sais qui je suis. Une rousse, un arc. Tu es capable de te battre comme dit guerrier. Tout le monde te connaît. Tout comme ton petit désaccord avec le cœur. Je comprends ce que cet endroit signifie pour ton peuple. Mais vous êtes peu nombreux et mal équipés. Vous pourriez partir, vous mettre à l'abri. As-tu déjà vu une fleur si petite et si blanche que quand elle tombe, c'est comme un flocon au printemps? Ma fille les appelait des champs d'hiver. Elle a gardé les graines de ses fleurs jusqu'à son dernier souffle. Ces graines poussent aujourd'hui dans le bosquet, au cœur de Cantilène. Je les ai plantées moi-même. Comme les graines de tous nos frères et de toutes nos sœurs, qu'on nous a arrachées lors des raids rouges. Nous, moi, je ne les abandonnerai pas. Si je ne peux pas te convaincre de partir, pas trop vite nous parler. On va devoir fabriquer des armes. Merci infiniment. Pas de temps à perdre. Suis-moi. Ok. Il va encore me demander d'escalader une montagne infernale, de tuer de méchants mécas. Attends, mais t'as une avec flèche. Avec ses capsules et une bonne dose non, de chance. Une flèche dans l'épaule, on là, mon ref, non peut-être. Ah non, putain, il a là. Espérons que ces jeunes pousses tiendront le coup face à une horde. C'est un bug ou il a un arc déjà prééquipé d'une flèche de feu? C'est un bug ou c'est un cheat, les gars? J'ai l'impression qu'ils tiennent tout autant que toi à rester ici. Ce sera le combat de leur vie, ça ne fait aucun doute. On y est presque. J'essaye de localiser si dans la zone il n'y a pas des petits cachés ceux qui ne peuvent pas se battre. Mais si nous tombons, les Ténacs finiront par les trouver. Alors attendez, tu m'emmènes où toi? Un lieu inconnu. Allez. Nous y sommes. Ok, je te suis, Q. Parlez à Q. Je vais prendre le relais. J'arrive, Q. J'irai chercher les capsules. Q ou Q? Nous y sommes. Est-ce que tu as des questions? Ça ira. Quel est ton rôle exactement à Cantilène? Le tisseur de métal de Cantilène. Mais le plus important à savoir sur moi, c'est que j'ai l'intention de garder mon peuple en vie. Grâce à toi, nous avons peut-être une chance. Je suis prête. Bonne chance. Viens me voir à la forge quand tu auras terminé. Ok. Donc si j'ai bien compris, je vais faire tout le sale boulot. Mon ami. Bonsoir messieurs dames. Comment allez-vous? Bon bah on y va hein, les potes hein. On y va. On va essayer de grimper au sommet. Ouais. Ok, let's go. Là il y a... Oh putain, j'aurais pu m'accrocher directement en haut. C'était... Parfois la vie est injuste, vous voyez. Ça sent la grotte. Oh, ça sent la grotte éternelle. Hein. Alors attendez. Attendez. Le Bendir, ok, et la fin du Bendir. Très bien. Très bien. Je sais que j'ai un bon plat à déguster, mais j'ai dit que je ferais le jeu sans déguster un seul des plats. Je rappelle qu'on est toujours en difficile. Vous inquiétez pas aussi, on changera notre ulti. Hein. Quand on débloquera un ulti un petit peu plus sympa. D'ailleurs, en parlant de compétences, j'ai 6 points, c'est pas dégueu. Écoutez, je peux améliorer tout cela. Sursaut de bravoure, pardon. Donc ça...
Il y a quoi? Déchirure des pièces, dégâts aux points faibles. Ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air même assez dingue. Qu'est-ce qu'on a là? Wouah, comment c'est stylé. Face à des ennemis multiples, les dégâts se transmettent dans les ennemis de 15 mètres. Ça, ok. Explosion radiale. Insane! Endommage tous les ennemis. Ok, c'est bon, c'est décidé. De toute façon, j'ai toujours voulu prendre ça. Ok, 1. 2. Non. 3. Les amis, bientôt l'explosion radiale. Ça peut swinguer, donc on va essayer de se le débloquer assez rapidement. Ça a l'air juste hyper stylé. Rejoindre le sommet. Bah, je veux bien les bichons. On va y aller. Est-ce que pour rejoindre le sommet, il faut parfois aller sous l'eau? Il y a de fortes chances. Ok. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que je vais sûrement mourir dans d'atroces souffrances. Fou, c'est bon. Plus de peur que de mal. Je okay, suppose ça. Que c'est Vos. Les blessures causées par des machines. Ah bah il est mort. J'ai retrouvé Vos, c'est que je suis dans la bonne direction. Sûrement les mêmes que ceux qui ont tué Vos. Je devrais essayer autre chose pour les protéger. Ah. Bien wesh de ouf. Ok. Bien wesh de ouf. Bien wesh de ouf. Hop, lui il est mort. Mort dans le film. Wouah, il m'a envoyé un truc ultra sombre, mon ref. Heureusement que j'ai des réflexes surnaturels. Hop, mort. J'aurais dû le pirater. J'aurais dû le haku. Bon, désolé, Vos, on a un petit peu souillé ton cadavre, mon ref. Tu t'en remettras. Normalement. Je crois. J'espère. Ok. Très bien. Continuons, s'il vous plaît. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'il va falloir monter. Et on va passer par là. On va plutôt passer par là, apparemment, parce qu'ils veulent pas trop que je passe... Allez, bibiche. Ok. Je vois que tu tiens à ce que je fasse le tour. Il n'y a pas de souci, je comprends. On va y arriver au bout. Bon, c'est dommage que le frérot Vos soit mort. Mais enfin, il n'avait pas le niveau, c'est évident. On va passer ici. Ok, on a eu chaud. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a forcément un truc de fou, non? Je pense qu'il doit y avoir un truc de ouf. Hop, ça c'est beau, ça me plaît, ça. Qu'est-ce qu'on a? Ok, très bien, ça me plaît. Ça me plaît. Putain, j'ai pas le pouvoir pour cette sorte de pierre derrière, ça fait chier. Excusez-moi du terme. Qu'est-ce qu'on a? Ok, une petite échelle, on descend. Très bien. Et là, on a quelque chose là-haut. Est-ce que c'est notre direction? Non. Hop, c'est juste une petite fouille. Et on prend les petites fouilles, on aime ça. On s'en met plein les fouilles dans les petites fouilles. Bon, bah ok, je suppose que c'est là. Let's go. Here we go. Ok. Ouais. Tu m'en diras tant. Attends, on va passer récupérer ça.
Ouais. Vous pensez réellement que ça soit là-bas? Ah! Oh non. Wouah. Failli mourir! À cause d'une sorte de lanterne naturelle! Ok. Très bien. Là, il n'y a rien activé. Ok. Bon! Complicado tout ça. Je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est vrai que je vais pas poser plus de questions que ça, pardon. Mais sa vie avait l'air tellement chiante au mec. Il est là, dans son petit village de mort, à essayer de résister. J'ai l'impression de faire 20 milliards de fois les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Ok. Vache. Complexe Complexe, complexe. Alors putain, le mec ou la femme qui a amené un coffre ici, gros respect, hein. À tout jamais dans nos cœurs, on s'en souviendra. La vache, ça s'arrête jamais. Ok, on va continuer. Très bien, oh, oh, Sugoi ça. Sugoi de ouf ça. J'ai réussi. J'ai trouvé ces grandes bouches. Fou! Ah oui, c'est vrai qu'on cherchait des grandes bouches. Alors attendez. Il peut se passer quelque chose. C'est donc ça, les capsules. Attends, je suis où? Je suis dans une sorte de grand plateau. Très bien. Il y a quoi là-bas? Que dalle. On apprécie. Ok. Bon, écoutez. Et voilà. Je sais quoi faire. C'est pas dessus qu'ils éjectent. C'est sûrement ce dont Q a besoin. Je saurais que j'en peux les prendre qu'une fois au centre. Si je suis assez discrète, je pourrais les prendre sans me faire repérer par ces machines. Cette machine, on la va les tout entier. Est-ce que c'est très intéressant de... d'être discret en soi. Ça, j'aimerais bien le pirater. Hein. Ok. Yes, il va venir ici. Très bon, ça. On va le à coup. On va le à coup. Pas de panique à bord. Quelles sont tes faiblesses? Parce que si j'attends, ça risque d'être très loin. Je peux m'en sortir. On a eu très très chaud. Où est mon pote que j'ai à coup là? Tu veux pas m'aider, frérot? Bien joué. Ça, c'est sport. Tu lui as cassé la gueule, moi. Hop, 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 hop. Doucement, ne trahis pas ton propre maître, frérot. S'il te plaît, un petit peu de respect. Bon.
peur, wesh. On m'a fait chier dessus. J'ai caca culotte. On va me servir de votre purge. Il m'en faut combien de ce merdier là? J'ai bien envie de me le faire, hein. Ah, ça disparaît. Oh bordel. Oh bordel. Wesh, merci. Wow. Toi, t'es un frère, toi. Je l'ai. Chie dessus avec ce truc, hein. Oh, 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 putain. Il est énervé ou quoi? 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 Il va mal. C'est quoi ce merdier? Wouah! Ok. Wouah! Tu files un mauvais coton! Oh, il pré-shot maintenant, frère! Watcha-cha! Ok. Bah les couilles. Non. Bon allez, j'ai envie de me le faire. Je suis joueur. Ok. Ouais, je suis clé blanc, frère. Un penseur toi. J'arriverai pas. Ça a un de faire guerrier, frérot. Il va me casser la gueule. Ok. Je sais pas pourquoi je vais tout de suite empoisonner. Voilà. Pour où on en est, je me dis qu'en fait finalement. Ok. Désolé, j'aime le challenge. Ok. Vraiment pour le challenge, les potes. Quoi? Quoi? Ok. J'ai pas vu qu'il y ait ça dedans. Mort. Oh là là, tout ça pour... Bah rien. Ça a été nul en fait. Ah, je suis désolé mais je voulais me le faire, c'est... Voilà, c'est l'ego, c'est... Tu vois, au bout d'un moment, frérot, t'es là en mode...
il faut le faire. Voilà, quand il faut le faire, il faut le faire. Faut pas poser plus de questions que ça. C'est comme ça. Bon, pas un peu fier de lui avoir cassé la gueule quand même, hein. Hop, ça on prend. Comme ça on a tout ce qu'on veut. Et j'espère qu'il va m'offrir quelque chose de badass et de très très cool. Ok. A noter qu'il lâche pas de batterie, hein, quand il est bah alors, quand il est attiré par manipulé par un autre, hein. Comment on peut faire? Et je me le fais, hein. Je le dis. Je sais pas pourquoi j'étais en flèche empoisonnée, miskin. Ok. Ouh. Qu'est-ce qu'on a là? Sanglier. Sanglier, je commence à en avoir peut-être un peu marre. Voilà, je le dis. Ok. C'est bon, on peut se barrer. Bon. Eh bien, écoutez, on ne cesse de s'applaudir. Félicitations. On a mis fin à ce boss. Est-ce que je peux monter là-haut pour un petit truc de style, tu vois? Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va rendre la quête et récupérer tout l'XP, évidemment. À bientôt tout le monde. Il y aura juste normalement à sauter et on sera bon. Oh putain, c'est pas terminé. Quand on appuie, on a encore, c'est incroyable. Bisous tout le monde. Bye bye.